Hey, avant toute chose, n'hésite pas à mettre le code créateur Akuma Games HG dans la boutique Fortnite, ça lui ferait extrêmement plaisir, et à liker la vidéo si toi aussi tu aimes. De la poudre de perlimpinpin. Bon les gens, alors je vous préviens tout de suite, si vous êtes là, c'est pas pour voir un pro jouer, je vous préviens tout de suite, et si vous voulez du gameplay, et bah cassez-vous parce que ça va être totalement de la merde avec moi, voilà. Bon, essai numéro 1 pour faire un top 1, voilà, hein, j'ai envie de dire. Alors, faut savoir que dans le domaine de Fortnite, je suis ni un noob ni un pro. Je suis entre les deux, je suis un noob pro, voilà, comme je pourrais le dire. Donc cette vidéo va être littéralement de la cata, donc ne vous abonnez pas, enfin si, faites-le. voilà, faites-le, ça serait gentil, merci. Bon, on va aller à une ville qui se nomme Salt. Voilà, une petite ville, enfin, une ville. Il y a 5 maisons, ça ne s'appelle pas une ville, messieurs. Ça s'appelle un lotissement. Bon, alors, on va aller dans la maison qui se fait souvent attaquer par tous les joueurs. La maison qui est le plus à ma droite, j'ai envie de dire. Il y a un joueur en face, c'est bien, ça commence extrêmement bien. Oh, un coffre. Oh, un stuff de merde, c'est pas nouveau. On va casser comme un petit loup. Vous savez quoi, j'ai envie de faire un peu n'importe où. Oula. Oh, il a qu'à... Ah, c'est honteux. Bon, essai numéro 2. Après une défaite flagrante face à un noob tout à l'heure, qui avait un fusil à pompe et que moi j'avais un petit pistolet de merde, voilà. Hein. Essai numéro 2. J'espère que l'on ne va pas tomber sur une personne qui est le même niveau que ce noob, qui est, en fait n'était pas un noob, mais était déjà plus fort que moi. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas pourquoi. Je ne me souviens même plus des touches pour changer. Ah non, pour trouver la carte, désolé. On va aller à Riskiril, voilà. Et vous savez pourquoi j'ai envie d'aller à Riskiril, les amis? Oui, vous ne le savez pas encore, mais il y a un film que j'attends, Avatar 2. Il doit passer à Riskiril. Je vais aller le voir et j'espère ne pas être dégoûté. Car les réalisateurs ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps à le sortir, ce film. Oh, il y a un coffre. En fait, le film va être retardé parce que je dois prendre le coffre. Regarde, c'est la première fois que je vois un coffre, tu sais. Tu vois, en fait, pour un début de partie, je suis calme. Mais vous allez voir que, au final, vers la fin de la vidéo, je vais être très, 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 très énervé. Alors, par contre, j'ai vu quelqu'un s'atterrir, donc je vais le tuer directement. Mon ami, où es-tu? Je vais t'offrir ce joli fusil d'assaut à rafale. Oh, un coffre. Alors oui, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai tellement un noob que j'ai activé l'option qui fait que tous les bruits sont affichés sur mon écran. C'est bien plus simple pour faire un top 1. La chose inimaginable que tout le monde fait, sauf moi, bien sûr. Oh, un tremplin. Le truc qui ne sert jamais à rien. Il y a un coffre en haut. Si je ne m'abuse, le coffre va être pété. Putain, je me suis fait baiser par deux coffres. Mais c'est même plus les joueurs là, qui sont en train de me troller, c'est les coffres. Ah, le bon vieux escalier. Alors là, vous allez vous dire tout de suite, mais comment il a fait pour être level 100 de cette saison et qu'il a un level aussi claqué? C'est moi-même qui le demande. Et bah moi, je vais vous répondre. Play to win. Non, pas du tout en fait. Tout simplement, j'ai même pas acheté le pass parce que je n'avais pas envie. Ah, on a encore de la merde. Ah, les mines de proximité. Une chose qui a été sortie de la saison et qui nous fait bien chier quand on se les reçoit en pleine gueule. Mais en vérité, qui ne sert totalement à rien. Alors, je rate juste. Voilà, donc là, déjà, je me souviens un peu de mieux des... Alors, déjà que l'agence, j'arrive même pas à la sentir. Alors là, je te jure, je vais la contourner, l'agence. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un coffre ici? Oh. Ah, une meilleure rareté! Ah, mais attends, je me suis même pas pris la popo. Alors là, franchement, je me suis mis tellement bien! En fait, pas du tout, mais je dis ça parce que j'ai des bandages et un kit de soins. Wow! Alors, est-ce que vous voyez cette espèce humaine qui se nomme le Gouloum? Il vit tout seul. Et je peux le suivre de très près.
En lui mettant une balle dans le trou du cul, l'on peut arriver à le mettre à terre et à l'immobiliser pendant un certain moment. Mais par derrière, si l'on n'y arrive pas, il peut arriver qu'il puisse nous mordre ou nous tirer dessus à coups de revolver. Bon, toujours de la merde, je vois que mon jeu ne s'est pas amélioré. je vais faire ce que au début je ne voulais pas faire, mais qu'au final je vais faire. C'est que je vais aller à l'agence, l'endroit maudit. L'endroit que tout le monde... en fait, va, mais... Oh, attends. Fusil à pompe? Oui, fusil à pompe. Explique-moi pourquoi il tire. Mais attends, le but du jeu, c'est pas tirer sur les murs. C'est tirer sur les joueurs. Oh, putain. Je me casse d'ici. Help me! Help me! Attends, je vais activer mon micro après parce que genre, s'il y a des joueurs, au cas où, imagine, je peux gratter une petite alliance par-ci, une petite alliance par-ça. Et aussi, si je peux gratter un petit bannissement par-ci, un petit bannissement par-là, ça serait bien. Est-ce que vous le voyez? Ce fameux gollum! Bien qu'on fasse un corps à corps. Ah. Putain, mais lui, c'est visé, pas moi. Pourquoi, à votre avis? Parce que lui, il a un aimbot. Mais oui, c'est clair. Il a un putain d'aimbot. Non, en vérité, je sais jouer, mais c'est juste que là... Bon, essai numéro 3 de faire... en fait, on va juste essayer de survivre. Voilà. Et je vais pas dire de faire top 1 parce que ça va être encore la galère. Cette fois, je vais activer mon micro parce que comme ça, on pourra faire des petites alliances du plaisir et se faire, bien sûr, bannir. Voilà, c'est ce qu'on veut, en fait, au final. Bon, alors, j'ai choisi, les amis, d'aller au vieil entrepôt qui pue. Où l'icône, c'est un soda qui fait de la guitare avec une guitare. Et je vais me faire littéralement baiser parce qu'en fait, il y a quelqu'un, donc je vais me casser. Attendez. Je vais essayer de me le faire, lui. Reviens par là, petite vermine. Je vais t'exterminer. Comme les cafards. Il coule, mais je l'ai vu. Il croit qu'il est invisible. Mais pas du tout. En vérité, il est totalement visible. Car en fait, s'il n'est pas invisible, il est visible. C'est un noob. Et il m'a looté un pistolet mitrailleur. Putain, mais c'est de la merde! Alors, stuff de merde, comme chaque début de game, vous me direz, hein. Qui a déjà tombé sur un stuff super bien dès un début de game? Dites-moi dans les commentaires. Oh. Il se cachait de moi. Lui aussi, il se fout de moi. Oh. Ah. En fait, vous voyez, quand j'ai vu le truc violet, je me suis fait, ah ouais, trop bien, une arme. Et en fait, au final, c'est des putains d'explosifs télécommandés qui puent la merde. Ouais, on est fiers de nous. Pourquoi ça bouge? C'est grave bizarre. Waouh, comment c'est tellement moche. La texture, c'est horrible. Bon, alors, on va aller... Ah, mais en plus... Oh, je suis trop loin. Putain, j'ai tellement la flemme, en fait, d'aller à Salty à pied. Je te dis pas, en fait, le truc, ça va être horrible. Eh hey, les gens, vous savez quoi? On va utiliser la chose que presque personne n'utilise dans le jeu. Les champignons pour gagner du bouclier. Ouais, bon, ok, 5 de bouclier, c'est pas foufou, mais bon. Ça suffit largement pour nous. Parce qu'on n'a toujours pas trouvé de truc qui fasse plus de bouclier. Oh, lui, il m'attendait, ça se voit. Voilà, je le note, entre parenthèses, car je ne veux pas l'oublier, parce que vu que ma mémoire, c'est une mémoire de poisson, et que... Ouais, ça doit représenter un tableau, je suppose. Oh, regardez sur quoi je suis tombé. Les petits coquins, ils nous avaient caché une piste de danse. Et un coffre, surtout. Et de la merde, surtout. Je prends quand même ça. Et ma connexion m'a lâché. C'est bien ça. On adore. Donc là, je suppose que je peux remonter par là. Est-ce qu'il n'y a pas une entrée, en fait? Ah! Ah, une entrée qui... En... Attends, elle a été... Est-ce que c'est normal ou... genre, l'entrée, elle a vraiment été... Hé, hé, hé! Ah! Cette fois, je ne mourrai
Je ne mourrai pas. Oh, mais c'était facile. C'était facile. Putain, je suis trop fort en vérité. J'ai trop confiance en moi. C'est pas logique là. J'aurais dû mourir déjà depuis longtemps. Putain, il reste 45 joueurs, 44 joueurs. Après, j'ai 30 joueurs, je vais mourir, c'est sûr, à 100%. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Putain, mais je pensais pas que ça allait faire ça. Le jeu réagit comme si le bois était plus fort que la pierre. C'est trop chelou. Mais on a quand même gagné un fusil d'assaut bleu. Waouh! Quelle rareté. On a la chose que l'on recherchait depuis une demi-heure. Une potion de bouclier. Bouffe, 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 bouffe. Étrangle-toi, étrangle-toi. Oui! Ah, c'est dommage, il peut pas s'étrangler dans le jeu. Ça aurait été bien de voir des joueurs mourir par étranglement, tu sais, tu vois, à gauche de l'écran. Sky, Sir Skila, voilà, le gars qui vient de mourir à l'instant même, est mort par étranglement. Lol, il s'est étranglé lui-même avec sa propre potion. Mais en fait, je me rends compte que j'ai rien du tout parcouru. Je n'ai fait que ça comme distance en 4 minutes. 5 minutes maintenant. 5 minutes 33, 5 minutes 34, 5 minutes 35. Oui, je me chronomètre. Tu sais que je suis toujours pas mort, et ça, c'est anormal, les gens. C'est littéralement anormal. Parce que, genre, j'ai l'impression. Mais what? Mon gars, il peut pas y avoir ce truc qui vole. Putain, c'est grave bizarre. C'est bon, j'ai trouvé le mystère de la chose qui volait. En fait, c'était tout simplement un bout du drapeau. Et vu que j'ai mis mes textures... en fait, je sais même pas ce qu'elles sont, mes textures, parce que je peux pas voir. Ouh, on a eu de très belles choses, de la merde, comme d'habitude. Alors là, je suppose, ouais, ils ont déjà tout pris, en fait, là. Ça la rabat-joie. Putain, vous êtes méchant avec cette maison, vous l'avez totalement détruit. Sale vandale. Vous ferez payer ces réparations. Mais avant tout, vu qu'on n'a rien à faire, on va jouer à Bob le bricoleur. On va réparer la maison plus précisément parce que... Ah! Ils ont percé en plus là-haut. Voilà, donc là, bien sûr, je vais les casser parce que Bob le bricoleur ne laisse jamais ses empreintes. Et on saute... Attends, est-ce que si je saute... Ah oui! Bob le bricoleur va arriver à tout réparer. Oui, messieurs, je crois bien. C'est bon là, les amis! La maison est toute belle, toute propre. On a juste des trucs là, mais c'est bon, ça ira. Ça ira. Bon, les gens, on va se diriger pour... Oula, attendez, il y a un bateau. Y aurait-il un bateau? Le seul moyen pour moi de me diriger, enfin d'avancer rapidement, parce que j'ai trop la flemme. Attendez, ils vont venir par là. On va leur mettre... Ah. Wow. Wow. Attends, mais ils sont vénères. Oh, attendez, attendez, attendez. Je vais en profiter, les gens. Oh, non, attendez, non, attendez, non, non. Il est réussi. On lui. Lui aussi, il va réussir. Oui. Non. 2 hours later. Essai numéro 48. Il est exactement 18h06 à l'heure où je vous parle. Et ça fait 48 fois que j'essaye de faire top 1. Est-ce que j'y arriverai? Vous verrez ça. Le tourbillon de la magie. Je vais me téléporter à l'impact. Vous allez voir ça tout de suite. Attention, attention, attention. Je suis téléporté à ce pont qui est à juste 5 mètres d'ici. Je n'ai pas du tout marché. Non, je vous jure. Ah, ah, ah. Comment je vais faire pour la récup? Ah, mais je peux... Oh là là. Je découvre Fortnite. Bah. Saute. Ah, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir. Je récupère un peu tout. Oh là là. On dirait un pro à manier les armes comme ça, mais en vérité... bah, pas du tout, en fait. Alors, je vais pas la mettre directement. Ouh, ouh. Nice. Ah bah là c'est déjà un meilleur début de game que l'autre. Alors les gens, après on ira dans cette jolie petite maison qui se trouve à non, à exactement 279 mètres, mais ça on n'a pas du tout l'impression.
Et on va découvrir les bonheurs des coffres, parce qu'il y a trois coffres qui se trouvent dans cette maison. Oui, monsieur, madame, voilà, il y a réellement trois coffres, et trois coffres qui nous donnent du loot. Et vous avez un petit pourcentage de chance, mais très petit, oh là là, d'avoir un coffre légendaire. Oh oui, la chose que tout le monde veut, en fait. Je crois que maintenant, les joueurs ils préfèrent les coffres légendaires aux lamas. C'est même un peu plus rare, les coffres légendaires, que des lamas, parce qu'entre nous, on a tous trouvé... beaucoup plus de lamas où l'on tire dessus que de coffres légendaires dans notre life. Ouh, il y avait un jeton. Est-ce que je peux le localiser à votre... Localisation du jeton bleu. Nope. J'ai cliqué deux fois sur le bouton pour avertir. J'ai même pas de coéquipier, à quoi ça me sert ce bouton là pour dire qu'il y a un ennemi là-bas. Ah rien, monsieur. Alors, on va... Ah, attendez, j'ai un mauvais pressentiment. Je crois que ça a été pris. Coucou. Mais je crois, à mon avis. Oh, il y a un gars, il a passé. C'est pas gentil, ça. Il ne m'a pas respecté, pour une fois. Où es-tu? Alors, il doit pas être loin, à mon avis. Mais qu'il est con, ce mec. Mais qu'il est con. Il doit se trouver à 15 mètres, en fait, de là. Je suis à la recherche. Je suis à la recherche. Je suis à la recherche de l'homme qui a vidé tous mes coffres. Et la tête de ce bateau, je crois qu'elle fait pas bien. Enfin, elle est pas bien réaliste. Quand on te dit que moi, je suis presque plus grand que la cabine. Comment je vais rentrer là-dedans? Explique-moi, je peux pas rentrer. Ah! Allez, je peux même pas rentrer dedans. Bon, tu me dis, il y a ça. Je peux. Ah non, mais en fait, là, je cache carrément. Ouais, je cache le bateau. Là, on a quoi? On a ça. Ouais, vas-y, je change ça comme ça. Hop là, boum. Boum, boum, boum. Bon, je suis toujours à la recherche du joueur qui a pillé. Ma maison. Je parle comme si c'était ma maison, mais pas du tout. Alors, au passage, je me suis pris un petit pistolet mitrailleur, oui. À la place de mon vieux pistolet nul, voilà. Où es-tu, mon petit? Alors, déjà, là-bas, on voit qu'il y a une caisse. Et elle se trouve là. Ok, donc elle se trouve vers la base. Mm-hmm. Attention, à votre avis, est-ce que ça va être possible que je prenne la caisse ou est-ce que je vais me faire niquer avant? À mon avis, je vais me faire baiser, en fait. Je vais me faire littéralement atomiser. Bon, j'ai quand même remarqué que les joueurs baissaient assez rapidement, en fait. Et franchement, je pensais pas. Même si tu me diras, on est 100 sur une map, mais avec la zone qui se réduit, à mon avis, ça devrait pas baisser aussi rapidement. Enfin, quoique, dans les 48 parties que j'ai fait... Ah, il y a du tir, ce qui veut dire qu'il y a des joueurs, ce qui veut dire qu'il y a du fight, ce qui veut dire qu'il y a des kills, ce qui veut dire qu'il y a du skill, ce qui veut dire qu'il y a du loot, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Bon, je me suis déguisé en... Oula, attends. Il y a du fight. Je sais pourquoi, mais j'ai pas du tout envie de participer au fight. Je me casse d'ici. Ah! Donc là, ok, il y a ça. Je peux. Ouh, stylé! Je peux m'introduire. Ah, j'ai un fusil à pompe, ça c'est bien. Hop là. Ah! Je crois qu'il y a une personne avec moi. Ouh, il a ouvert ça, le petit cachotier. Il y a quelqu'un dans les grilles d'aération. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout dedans. Il tape contre le mur ou il tape contre autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Every day I'm shuffling. Shuffling, shuffling. Oh, attendez. J'ai envie d'imiter le bot, mais je veux pas, en fait. Allez, là, j'imite un peu le bot, voilà. Là, je suis un vrai bot.
Il faut juste une arme. Ah, voilà. Non, mais en fait, est-ce qu'il va me trahir? T'es trop méchant avec moi. Oula. À votre avis, est-ce que j'avais passé? Bon, les gens, cette fois, on va se mettre littéralement en mode tryhard, parce que là, j'en ai littéralement marre de me faire défoncer. C'est la 49e partie que je fais et je me fais encore défoncer. Donc là, je vous jure, on va se mettre en mode tryhard, mais de ouf. On va tous les défoncer un par un, voilà, on va les renvoyer chez leur mère. Tu vas voir, un par un, là, tac, 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 ça va faire mal. Vous allez voir, ça va être fou. Moi, quand je suis en mode tryhard, hein, je vous le dis. Hein. Vous pouvez demander à tous mes copains, je tryhard, hein.